volonté soit faite. Mokano na yo esalema. Sur la terre. Awa na se. Comme au ciel. Lokola na likolo. Sur la terre. Awa na se. Comme au ciel. Lokola na likolo. Et nous t'acclamons, Seigneur. Beto beteli o maboko makasi. To beteli o maboko makasi. Je suis convaincu. Que le culte familial a toute sa raison d'être. Comme la famille est la base de la société, il est important d'avoir un culte familial. Et le thème spécial de cette conférence, sur la terre, comme au ciel. Lokola na likolo. Pendant ces deux jours, nous allons parler de l'impact. Na mikolo mi baleto kolobela impact. De la terre sur les familles. Na oya mabele na kati ya mabota. Comme pour dire. Lokola pona koloba. Il y a des terres qui influencent des familles. Eza na mabele oyo penza esalaka eloko na bomo ya mabota. Je me souviens d'un témoignage d'une maman avec nous ici. Na ebi mama moko atatola kiawa. Elle sort de la maison familiale pour aller dans sa maison. Elle était normale. Le jour où elle remet les pieds dans la maison familiale, elle devient folle. Je crois que ceux qui sont ici témoins sont présents, ils le savent. Il a fallu qu'on prie et qu'on la déplace. Le jour où elle déplace de cette maison, elle devient normale. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Qu'est-ce qui s'est passé? Tunande kwaza pembeno eloko nini salemaki? Est-ce que c'est la maison ou la personne? Est-ce que zanda ku to muto? Comment tu quittes d'une maison à une autre, tu deviens normal? Ndenge ninyo longwanda ku sokolo esika mususu koma normal? Quand tu vas dans une autre maison, tu attrapes la folie. Peo kene nanda ku mususu koma liboma. Ah, dis-moi l'impact des terres. Loba impact ya mabele. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'aimerais parler d'un sous-thème. Na poko lelo na kolobela. Quelle relation y a-t-il entre la terre et l'homme et les familles? Pourquoi les familles sont influencées par les terres? Pourquoi l'homme est influencé par la terre? Alors, nous allons partager quatre vérités par la grâce de Dieu. La première vérité se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 7. Je vais lire rapidement pour nous. Genèse chapitre 2, au verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui souffla sur les narines. Souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dieu a fermé l'homme de la poussière du sol. Il a pris la poussière de la terre. Oh, j'aimerais te dire que la terre que tu piétines, c'est la terre avec laquelle ton corps a été formé. En d'autres termes, ton corps est terre. Et la kisi kenzo tonayo et outina mabele et la terre où tu marches est aussi la terre. Peli sika yo tambola kalikolo nango ezape mabele. Donc il y a une relation entre la terre et la terre. Zoka boyo kanyezana mabele pena mabele. Alléluia. Amen. Mon corps est la terre. Zoto nanga ezana mabele. Ce que mes pieds piétinent c'est aussi la terre. Oyo makolo nanga zoni ata ezape mabele. Si on réfléchit, on dira que la terre marche sur la terre. Ce dit tolobi mabele zo tambola likolo mabele. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc j'ai une terre. Il marche sur une autre terre. D'où il y a une relation entre la terre et toi. Alléluia. Amen. Écoute cette vérité. L'homme est avant tout un être spirituel. Que Dieu a pris et a mis dans un vase de terre qui est un corps. Amen. Amen. Donc il a pris l'esprit et il a mis dans un corps. Dieu a formé pour l'homme un corps terrestre. J'aimerais te dire que l'être humain est le seul être spirituel à qui Dieu a façonné un corps pour vivre dans un monde qui s'appelle la terre. Je vais te faire réfléchir.
Il n'y a nulle part un ange à qui Dieu a formé un corps charnel. C'est le seul être vivant à qui Dieu a façonné un corps terrestre. Le monde où nous vivons, sans le corps, tu ne peux pas vivre. Pour que l'homme vive sur terre, il a fallu que Dieu lui crée un corps. Alléluia. C'est comme le poisson. Il a un corps conçu pour vivre dans l'eau. Si tu prends un lion, tu le mets dans l'eau, qu'est-ce qui va arriver? Le lion va mourir. Parce que son corps n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Mais le poisson a un corps. Mais il a été conçu pour vivre dans l'eau. L'être humain est le seul être spirituel à qui Dieu a donné un corps pour vivre et opérer sur la terre. Souvenez-vous qu'il a dit créer l'homme à notre image. Il est l'image de Dieu et il a pris son image pour vivre dans l'environnement qui est la terre. Il faut un corps. Jésus, en entrant dans le monde, Dieu lui a fabriqué un corps. Aucun être spirituel ne peut régner sur la terre sans un corps. C'est pourquoi je vais te montrer plus loin dans Luc 11, 24 à 26. On voit que Jésus rencontre une personne possédée de démons. La Bible dit au verset 24: quand un esprit mauvais est sorti d'une personne, où il habitait, il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans la maison que j'ai quittée. Les esprits n'ont pas un corps pour opérer dans le monde, mais ils utilisent les corps, soit animal ou humain, pour opérer sur la terre. Dans Marc 5, de 1 à 14, mais si tu prends le verset 10, il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Bien-aimés, les esprits ont demandé à Jésus quelque chose de formidable, inimaginable. Mais c'est un enseignement pour nous. Les esprits mauvais supplièrent Jésus: envoie-nous dans ces ports pour que nous entrions en eux avec leur corps spirituel. Ils ne sont pas à l'aise de vivre. Ils doivent être dans un corps. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Mais l'être humain, lui n'a pas supplié Dieu. Lui n'a pas demandé Dieu. Mais Dieu lui a donné un corps pour vivre sur terre. Alléluia. Amen. J'ai un corps. Nous avons un corps pour vivre sur terre. Les démons n'ont pas de corps terrestre pour vivre sur terre. Voilà pourquoi ils sont à la recherche des corps. Voilà pourquoi ils veulent posséder des hommes. Voilà pourquoi ils veulent posséder des animaux. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans un corps sur la terre. Alléluia. Amen. Avec ce corps, tu peux sentir qu'il fait chaud. Avec ce corps, tu peux sentir qu'il fait froid. Mais sans ce corps, tu ne peux rien sentir. Tu ne peux pas toucher l'autre. Tu ne peux pas avoir faim. Tu ne peux pas manger. Dieu nous a donné un corps pour régner avec sur terre. Pour que l'homme influence la terre. Et quand un être spirituel, il a besoin d'un corps. Il a besoin de la terre pour communiquer avec la terre. Alléluia. Amen.
C'est comme ça que la terre influence. Yango azaka na likonzi. Parce que ton corps et la terre ont la même matière. Yango azo konza batu misusu po nzoto na yo euti na ye. Alléluia. Amen. La terre ne peut pas influencer un ange. Aha, mabele koki kokonza ange lute. Encore moins même un démon. Et koki même pas kokonza ta muto. Encore moins même ceux qui habitent le corps céleste. Et koki ata kokonza te baoba fanti kuna na lola. Parce qu'ils n'ont pas la terre. Po bango bazana mabele te. Ils n'ont pas la même matière que toi. Bazana eloko e basaleli na nzoto to kota na mabele te. Que la terre a la même matière que toi. Lo lenge moko mabele za pe na makambo eza lokola yo yo pe. Tu peux influencer ta terre. Okoki kokonza mabele na yo. Parce que toi-même tu es terre, tu peux influencer. Mabele okoki pe kokonza mabele. Alléluia. Amen. L'obagé encore. Nazana nzoto qui est terrestre. Oye uti awa na se. Pour influencer tout ce qui est terrestre. Pona konza nyoso ezawa na se. Ton corps est le point de contact avec la terre. Nzoto na yo yango ndeza point de contact. Alléluia. Na mabele. Amen. Les démons n'ont pas un point de contact avec la terre. Demona azana point de ils contact na mabele. Ils cherchent justement des hommes. Azo lukande partout. Par qui ils peuvent influencer bisika la terre. Bisika nini bakoyikonza moki. Alléluia. Amen. L'obagé un corps. Donc la première vérité, c'est que tu as un corps qui est fait de la même matière que la terre. Voilà pourquoi soit elle peut t'influencer, soit c'est toi qui peux l'influencer. C'est comme ça que lorsque le corps humain est malade, pour soigner le corps, il faut prendre la matière qui est dans le corps. Il y a un gros bazoa qui est dans le corps. Quelqu'un qui a la malaria, il va utiliser quoi? Mutoza na malaria ko soanini. Il va utiliser les plantes qui viennent de la terre. Akozoaka kamatiti euti na mabele. Quelqu'un qui a soif, il va boire quoi? Mutoa yo ki posa mai ko soanini. Ça vient d'où? Mai euti wapi? Quelqu'un qui a faim, il va manger Mutoa quoi? Mutoa uti ka nzala ko lianini. C'est comme ça que Jésus pour guérir cette femme. Yango Yesu kwa bikisa mutoa za kobela. Qui était aveugle. Wa taki komona te. Il a craché sur la terre. Apesa ki atia ki so ina mabele. Pe azwa ki yango. Asi potopoto ango. En d'autres termes. Et là, il a reformé surnaturellement et naturellement les yeux de cet enfant. Il a pris la matière pour remplacer une autre matière. Alléluia. Voilà comment le maître nous montre que nous pouvons influencer la terre. Voilà comment avec la terre tu peux faire des choses incroyables. Il y a un lien entre ton corps et la terre. C'est la même matière. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Deuxième vérité. À cause de l'homme, la terre mabele peut être soit bénie, soit maudite. Je te donne un texte. Genèse 3, verset 17. Genèse 3, verset 17. Il dit à Adam, Adam, puisque tu as écouté ta femme yo, et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. J'ai une version qui dit la terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait. Est-ce que la terre a péché? Est-ce que ma belle n'a soumoukaki? Dans ce texte, on voit que la terre n'a rien fait. Tomoni ma belle est celle qui est là. Mais c'est l'homme le bangai ngai. Le bangai mtuna sala. À cause de ce que j'ai fait. Na oyonga na sala ki. À cause de moi. Pona ngai pona tina nanga. Ma belle abatu. Ma belle abatu. Ma belle ngai a été maudite. Ma belle. Alléluia. Alléluia. À cause de toi. La terre sera maudite. Ma belle est collée la mamabe. La terre a reçu l'instruction. Ma belle est zoa qui mobeko. La terre a reçu l'interdiction. Ma belle est zoa qui kopekisama. De produire quelque chose à l'homme. Yako botelo komoko pa. De rendre la vie facile à l'homme. Yako komisa mokambu pete po na mutu. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas la terre qui a péché. Mais c'est là qui ma belle est née. C'est l'homme qui a péché. Mutunde asumukaki. Mais à cause de l'homme. Kasi po na mutu. La terre. Ma belle est maudite. Et là qui la maki ma belle. Ce qui coule sur l'homme. Oyo ezo kitana. Coule aussi sur la
terre. Et qui ceux qui t'influencent. Oh, ils ont aussi et konzaka pe mabele na yo. Dans Genèse chapitre 26. Genèse 26. De 11 à 14. 11 14. Tout le monde était en train de fuir la famine. Mutunyo so kima kinzala. Tout le monde cherchait la vie dans un autre pays. Mutunyo so bande ko luka ko vivre na mboka msusu. Turquie. Mutunyo so nga ke Turquie. Tout le monde veut aller à Dubaï. Mutunyo so nga ke Dubaï. Tout le monde veut aller au Maroc. Mutunyo so nga ke Maroc. Tout le monde veut aller en Afrique du Sud. Mutunyo so ke Afrique du Sud. Mais Dieu dit à Gera, à Isaac. Nzambe a ebisi Isaac. Toi, yo. Ce jour dans le pays Tikala que je t'indiquerai. Tout le monde fuit la famine, mais pas toi. Il dit, je te bénirai dans ces lieux. Et il arrive quelque part au verset 12 et 13. Il arrive au verset 12 et 13. Et il se rend compte à Mimoni que lui était différent des autres. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il s'aima dans la terre. Et il reporta le centuple. Pendant que les autres qui habitaient la même terre que lui ont s'aimé pendant des années, mais n'ont jamais récolté au centuple. Parce que sur Isaac, il y avait une bénédiction. Il y avait une parole. Il y avait une huile. Il y avait une instruction. Laisse-moi te dire, la bénédiction est comme une lettre de recommandation. Lorsque la terre de Gera a vu Isaac, la terre a pu lire la lettre de recommandation divine. Pour Isaac, tu dois produire. La terre a lu l'instruction. Pour Isaac, la même terre qui n'a pas produit au centuple, pour les autres, a produit pour lui au centuple. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, sur le même sol, mais pas le même sort. Je déclare à quelqu'un, il faut être sur le même sort, mais je n'aurai jamais le même sort que toi. Côté à résultat. Isaac, la terre a produit. Mais à cause d'une autre personne, la terre a été maudite. Le problème de la terre, ce n'est pas la terre, mais c'est l'homme. À cause de toi, la terre peut être soit maudite, soit bénie. Isaac était un homme comme eux. Mais il avait quelque chose. Chez Adam, quoi, Adam, il y avait une lettre de recommandation. Adam, Pazalaki, une lettre de recommandation. Que tout soit pénible pour Adam. Mais sur Isaac, il y avait une autre lettre de recommandation. Multiplication. Le problème avec la terre, c'est l'homme qui influence la terre. À cause de l'homme. Plus loin, on voit encore une histoire. Genèse chapitre 19 au verset 13. Genèse 19 verset 13. Et puis Genèse 18 de 20 à 21. Genèse 18 20 21. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté. Et leur péché est énorme. Nous allons détruire cet endroit-là. Parce que le cri contre ses habitants est grand. Mais à cause des pratiques que nous faisons. Yoka. Natina makambo mabe otosalaka. Soit la terre est bénie. To mabele koki kopambola mayamalam. Soit la terre subit la colère de Dieu. To mabe tozosala mabele ekozwa kanda nzambe. Yoka nga malam. Le mal qui a fait Sodome et Gomorrhe. La Bible dit a augmenté. Alobike, ma kele le nango et tombe mi makasi. Le mal a poussé un cri. Tala. Ma be e gangi makasi. Aide-moi à dire à ton voisin. Yebisa mutoza pembeni na yo. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Nyo so sala ka wana mabele. Ça a un son. Ezalakana eloko moko yokanaka. Tout ce que tu fais sur terre. Nyo so zo sala na mabele. Ça parle. Elobaka. Ça crie. E gangaka. La Bible dit que c'est le cri de Sodome et Gomorrhe. Bibili elobi eza ko ganga ya Sodome na Gomorrhe. C'est énorme. Masumu na bango eleka ki munene. Tout ce qu'un homme fait sur la terre. Nyo so muto asalaka awa na se. Se transforme en un cri. Et la terre est en train de raisonner ça à Dieu. Mabele tindi kakango epanzambe. Dieu est assis au ciel. Nzambe pe kuna yoki. Il entend des cris. Ayoki koganga.
viol, viol, crime, Koboma, force des enfants, azote kabana, guerre civile, ah, babitumba, toutes sortes de pratiques bizarres, ma camion sur ma paix, fait descendre. La pratique de ces gens-là sont en train de crier. Mais nous voyons plus loin dans la Bible. Si les gens font de mauvaises choses et il y a un cri qui monte à Dieu. Dans Acte chapitre 10, la Bible nous montre qu'il y a un homme. Bible était un homme qui n'était pas juif. Mais c'était un Romain. Ses offrandes et ses honneurs. Ah, ma J'aimerais que toutes les pratiques que tu fais, ça monte au ciel. Maintenant, quand ça monte au ciel, il y a un retour qui vient du ciel. C'est comme ça que la terre subit des choses. Parce qu'il y a eu un aller. Il y a eu un retour. Si tu veux que ta terre soit bénie, qu'est-ce que tu envoies comme cri? Et qu'est-ce que le ciel envoie comme retour? Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse. L'Éternel envoya sa parole. J'ai entendu le cri de mon peuple en Égypte. Et je suis descendu pour les guérir et les délivrer. Toutes les prières que nous faisons sont des cris qui montent au ciel. Tous les actes que nous faisons sont des cris qui montent au ciel. Ça monte comme un cri. Ça monte comme une fumée. Et le ciel répondra. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es Koulouna, c'est un cri qui monte. Et le ciel aussi va te répondre un jour. Lorsque tu es malhonnête, c'est un cri qui monte. Plus ça augmente, c'est un cri. Et il y a le ciel qui va aussi te répondre. Quand tu vis dans l'adultère, tu vis dans le mal. Ce sont des cris qui montent. C'est une fumée qui monte. Et le ciel aussi répondra. Tu pries, lorsque tu adores, lorsque tu fais des bonnes choses, ce sont aussi des cris qui montent au ciel. Et Dieu lui répond. Amen. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu entende ton cri. Que Dieu entende ta fumée. Alléluia. Amen. Lorsque le sang d'Abel était versé sur la terre, Dieu entendait un cri. Mais lorsque le sang est versé à l'est, Dieu entend le cri de sang versé à l'est. Je pose la question, qu'est-ce que le ciel est en train de nous répondre? Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que le ciel est en train de te répondre? Est-ce que le ciel est en train de te répondre? Ce qui me choque encore dans ce passage. Verset 25. Ils bouleversent les deux villes, Sodome et Gomorre. Leurs habitants. Toute la région. Pire encore. Ce qui pousse du sol. Na oyo nyonso ebandaki kouta na mabele. Dieu détruit même la semence qui est en croissance. Le péché ne maudit pas seulement que les générations. Mais le péché affecte aussi ce qui va sortir du sol. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai circulé déjà 6 maisons depuis que je suis locataire. Ah, depuis que Nazal Okatana Tambo Limo Banda Kobele. Je crois que la 7e maison, ça sera la mienne. Amen. Alléluia. Amen. J'ai remarqué une chose. Na remarqué les kambumoko. Partout où il y a eu des mauvaises pratiques. Misika nyoso basala ba makama mabe. Même la maison ne devient plus habitable. Même banda kuone pesa ke sengwa kufata te. Même esengwa kozana nda kuone ezala kate. Et Dieu avait l'habitude de m'amener chaque fois dans des maisons pareilles. Et nzamba bando bi manga na banda kwa model wana. Et quand moi je pars, soki ngai na kiyi, la maison devient viable. La maison devient vendable même peu. Par contre, écoute, ça pour le côté casse que j'ai côté camarade. J'ai dit à Dieu, est-ce que je suis devenu réparateur des maisons de Dieu? Alléluia. Amen. Vous arrivez quelque part, quelqu'un est mort, tout le monde ne veut plus habiter dans cette maison, et même le sol de cette parcelle ne faisait plus pousser même une plante. Donc comment nanda kumoko pour mutumoko akufa nanda kuana?
na GB. Po makila mutu etangaka na ndaku wana, ndaku wana baluka kote kangwe te kamarate. Mutu pa lingipe koko tata location azate. Alléluia. Amen. Personne ne m'avait dit l'incident. Mutu moko pete ebisa ki biso ni kamosalema. Comme tout qui l'on nous dit, oui, par exemple, une semaine après, je ne m'avais pas dit il y a une semaine avant pourquoi. Pourquoi nous avons dit qu'il n'y avait pas de problème? Je disais, mais qui m'a dit ce qui m'a fait appeler? Nani a dit qu'il y a un côté de la commission. Amen. Et Dieu me dit un soir, réveille-toi. Je vais faire le service des saints pendant 7 jours. Je vais faire le service des saints jour et nuit. Je vais faire le service des saints pendant une semaine. Je vais faire cette instruction pendant une semaine. À l'heure où je vous parle, non seulement que je n'habite plus, il n'y avait pas de mariage dans la famille de ce bailleur. En tout cas, Baya wana bande ko balisa te. J'ai fait le kinzonzi dans cette famille. Yemo konde asala kinzonzi ya libala bana. La parcelle a été vendue. Mais le pango a été kamaka. Les enfants finis les études. Bana ba fili sa ba classe na bango. Monsieur aujourd'hui est en Afrique du Sud. Papa ngoye moko kenani Afrique du Sud. Les enfants sont mariés, ils ont aussi. Bana babala bazo pe babota pe. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. À cause de toi. Voilà. La terre na yo. Que soit maudite. Ma belle est na yo, qui peut la qui peut déclarer là pour lui-même. On tout moka quoi que ça pona lo yo moko pona tina nanga. Oui, à cause de moi la terre s'est bénie. Ponangai ma belle na yo pambola ma. C'est pourquoi dans 2 rois 2, ils sont allés voir le prophète. Yango na 2 rois 2 ba ke komona mon sakoli. Ils ont dit la mer, l'eau n'est pas bonne. Ma le bi maiza ma bengai. Il y a la mort. L'eau n'est plus viable. Amenez-moi un plateau neuf. Et amenez-moi du sel. Il a assaini. Ce soir, je déclare au nom de Jésus. De la même manière qu'il y a eu la pluie sur tout Kinshasa ce soir, il y a eu l'assainissement sur la terre où tu habites. Et la prochaine pluie qui reviendra, connecte-toi à cette pluie. Avec cette révélation, que partout où ce n'était plus viable, la pluie qui descend sur moi va rendre cette terre viable. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort. Au nom de Jésus, l'homme de Dieu a fait. Et l'eau ne pouvait plus tuer quoi que ce soit. Alléluia. Toi aussi. Yope. Sur la terre où tu te trouves. Na mabelo fanzi. Plus personne ne mourra. Mutu moko te ko kufa. Aucune voiture ne va être détruite. Mutu kamoko te ko bando beba kapune, beba kamoteur. C'est bizarre. Ta voiture était normale, en bon état. Dès que l'autre dans une parcelle est tombée en panne. Ah, ma voiture, mais sous ce mitou comme sous ces armalam, mais ce qui continue ici, c'est songolo et baby. Il y a des maisons bizarres. Et ça, la banda comme sous ce son. Tout fonctionne bien. Nyon ce zamalam. Et quand tu entres quelque part, tout commence à disparaître. Nyon ce comico libre. Tout commence à être détruit. Nyon ce comico beba. Ce soir, lève-toi. Ah, n'a pas quoi les lots d'assouka. De la même manière que toi aussi, tu as la terre. Nenge yo moko pe ozana poussé à yandoto. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Pe ozana mon limo en zambé la katina yo. Lobela ka ma belé na yo. Assainis ta terre. Plus jamais il y aura de mort. Et là, comme à Béa, Kalisus, il y aura de perte. Au Sangues, à la Kalisus, il y aura de perte. J'aimerais que tu aies cette assurance. Sur toi, il y a une instruction. Que l'icolo na yo eza na mobeko. Plus forte que toute autre instruction que la terre avait. Ma kasi koleka oyo mabele yambaki liboso. À cause de l'instruction qui est sur toi. Na mobeko eza l'icolo na yo. Le lieu où tu es. Et si kozali. Ça va changer. Eko bongwama. Oh, j'aimerais aller plus loin. Nalingi na kene musika. Même le bureau où tu travailles. Ata si kozala ka merci. Que le patron soit occultiste ou pas. Ata mukonzi azamu to misala mabeto te. Que le patron soit occulte ou pas. Mais parce que tes pieds sont mais là. Pour ma colonne, yo parce que tu es comme de la génération d'Isaac. Yo zali kitane ya Isaac. Tu es de la même race qu'Isaac. Yo zali lokola ba oya Isaac. À cause de toi. Bona tina na yo. La terre sera différente. Mapele kozala lolenge mususu. Tu es tellement bon qu'il peut faire des histoires juste pour provoquer les gens. Oui, binzamba za malama ko sa makamka pona otumbo la batu. Binzamba sala makamusu na nko. Batu nyoso na immeuble ona ba mona bien te meka yo mtumo na bien. Vous savez, en Égypte, cela s'est fait dire à ton voisin, ce n'est pas nouveau. Na Égypte, Salema, ça continue encore. La série continue encore. Nangambo Égypte est au Mwinda. Mais Nangambo ya Israël, Mwinda Zalaki, mais l'Égypte au Mwinda Zalaki. Nangambo Égypte au Molili, mais Nangambo Israël, Mwinda.
Mais du côté où les Égyptiens habitent, il fait noir. Et si les Égyptiens bafandi mobile. Et du côté où il y a Israël, tout fait clair. Et si les Israélites bafandi kunaza na pole. Sur quelqu'un. Nazo sakolela mutu. Dans la même maison familiale. Kaka nanda kuona famille. Dans ta chambre à toi. Na esika yo lalaka. Dans ton territoire à toi. Na esika yo zalaka. Dans ton appartement à toi. Na appartement na yo wana. Tout est lumière. Nyo seza pole. Parce que toi tu es de la race d'Israël. Boyo zalokola Isaac. Mais de l'autre côté. Mais esika mususu. Tout est noir. Kuna molili. La réponse est simple. Ah, c'est y a ce qui simple. A sur toi. C'est ce qui a sur toi. À cause de toi. Bona tina na yo. La terre est soit bénie. Ma belle et pambolami. Soit la terre est maudite. Topé et la kelami ma belle. Où est-ce que je peux avancer? Kokoba. Troisième vérité. Yamisato. La terre a été donnée à l'homme. Ma belle et pesamela moutou. Le psaume 115 au verset 16 dit ceci. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. L'icolo et ça, l'icolo et Nzambe. Mais il a donné la terre aux hommes. Père, pèse ma belle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Nzamba pesanga ma belle? Nzamba pesanga ma belle. Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Nzamba pesanga. Longola malili aux anangoloba. Nzamba pesanga ma belle. Est-ce que je peux? Lobango bien. Nzamba pesanga ma belle. Yo kandengo zolo ba na place nyo sozali et zo zala pe influencer. Loba Nzamba pesanga ma belle. Soki ezana musala lo banzamba pesanga mabele wana. Soki ezana quartier songolo lo banzamba pesanga mabele wana. Sikolo telema déclaré pendant une minute nzamba pesanga mabele. Tambola lo banzamba pesanga mabele. Apesa kindoki ya quartier te. Apesa chef a quartier te. Apesa mutu songolo te. Apesa bakuluna te. Apesa miyibi te. Apesa bandumba te. Nzamba pesanga parce que je suis de la race d'Isaac. Nzamba pesanga mabele, déclare avec foi. Déclare avec foi. Ela tanzoto ndengozo déclare. Ela tanzoto kaka sikoyo pena butwa lelo. Nzamba pesanga mabele. Ata batu bazangi ngana ko zwana sika wana. Soki batu bakufa kangana ko vivre na sika wana. Soki bana babela kanga bana bakozala mpon santé na sika wana. Soki mabale kufa kana sika ne pana ngai ko umela kino suka na kombo na Yesu. Oya nganyo se ko sala malaram. Zamba pesanga mabele. Zamba pesanga mabele. Na kombo na Yesu. Amen. Fanda. Est-ce que tu peux comprendre qu'on a zoloba? Oko so so zoloba zoloba. La terre. Mabele. Regarde la terre. Tala mabele. Imagine toute la terre. Tala mabele na makanisa. Imagine ta maison, ton quartier. Meko kanisa nda kuna yo quartier. Tala avenue aussi ko fanti. Le banzamba pesanga. Écoute, la vie n'est pas le seul don que Dieu a donné à l'homme. Dans la bonne moyenne, ça qu'a dit Kabo, mon côté Nzamba Pesanga. Que tu piétines. Ma belle ou Nyataka. C'est le don de Dieu qui t'a donné. Et ça, l'Ikabo Nzamba Pesayo. Amen. Ce n'est pas donné à quelqu'un d'autre. Et Pesamela Moutoubou Soussouté. Et Pesamela Nganayo. Je dis bien la terre. Ma belle. Nous a été donnée. Et Pesamela Bissot. En d'autres termes. Et l'obi Pueboye. Quand Dieu a façonné l'homme à son image. Dans un zamba keli mutuna lolenge na ye. Il a dit écoute-moi, je n'ai pas un corps terrestre. Habita là. Ana zana nzoto te okwa bino bato. Toi tu es mon image. Mais yo zana lolenge nanga. En d'autres termes, tu es Dieu comme moi. Donc alobi esa lokola alobi yo zana nzambe lokola nga. Je ne pourrais pas vivre sur terre. Ngana okoka kozala wana na mabele te na nzoto boye. La terre ne peut pas me contenir ni me résister. Bon mabele kokoka kutiko kumba ngai te pe kotele maliboso nanga te. Si je dois habiter la terre dans toute ma nature de Dieu, la terre va exploser. Soki nganza mais faut na fanda na mabele mabele kokoka et kokoka te ko exploser ma gloire en toi si kona ko zwangu ya na ngai na kati na ngana tie na kati na yo c'est un vase de terre penatie yango na kati ya sani moko ya mabele. La Bible dit dans Genèse 2 8 à 15 il a formé l'homme et le plaça dans le jardin. Bibelobi azwa ki muto a formé et pe atie na jardin. Et les cieux, ça c'est mon espace. Alobita la nikolo kuna awa esa ngande na zokonza c'est ton espace na mabele kuna wana espace na yo yonda kuno kuna konza. Si tu comprends cette déclaration. Yoka, soko zo so sona makambo bazolo ba. Que toi en tant que être humain sur terre. Et la qui si yo lokola mutu awana se. Tu es limité par une avenue. O koki kozala limité te batielo mundelo na quartier. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mutu moka zo so sona ngo. Je ne peux pas être limité par un pays. Ba koki kotielo mundelo te pona mboka songolo. La terre m'a été donnée. Ma belle wana epesa melanga. Ça veut dire si je règne au Congo, je peux régner en Afrique du Sud. Soki na zo konza na Congo na ko konza na Afrique. Si je règne au Congo, je règne en France. Soki na France. Le tout c'est la terre. Bobi pa inyoso ne sakaka mabele. Il dit ça a été donné à l'homme. Alobi epesa mela mutu.
Donc la terre m'a été donnée. Ma belle et pesa melanga. La différence entre toi et les chefs coutumiers. Oyezo que ça ni ça yona ba oba benga chef coutumier. Ils ont un pouvoir sur la terre. Bango ba yeba ka ke bazana nguya moko likola ma belle. Ils sont conscients que bazala ka ba kolo ma belle. Ba yeba ka ba milo ba ka bazala ba kolo ma belle. Mais les enfants de Dieu. Mais biso ba na nzambe. Ils sont conscients. Bazo so so la terre. En tant qu'image de Dieu. Le kola kozala muto le lilingi ya nzambe. Je veux dire Dieu s'est donné la terre à lui-même en passant par toi. Donc, ma pesi ma belle yemoko na nzela nanga. Tant Dieu il a donné la terre à lui-même. Bonza ma pesi ma belle na yemoko. La seule différence c'est que Dieu a pris sa part au ciel, il a pris notre part sur terre. Ok, c'est n'est pas que nzamba zui a yeku na likolo biso na se. Dieu sur terre. Mais yonde ozali ti na nzambe awa na se. Vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des. Ngolo biboza ba nzambe mais bozo kufa lokola batu. Si tu comprends cette révélation ce soir. Sokio sosoli emoni seli on a pas quoi aller là. Je suis sûr que ton cadavre va ressusciter un autre cadavre. Na yebi parce que étant terre, Paul, l'okolosa mabele. Ce n'était qu'une enveloppe. Azala qui n'est qu'une enveloppe. Je vais te troubler à la fin. Écoute, il y a des choses que si tu comprends cette vérité, la terre a été donnée à l'homme. Ceux qui ont sosoli que mabele pesa mela mutu. Donc même les maladies sont résolvables par l'homme, pas par Dieu. Ata baboko no. Mutunda kozolango solution nzambete. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mutumoka zo comprendre makam na zoloba. Dit la terre a été donnée à l'homme. Mabele pesa mela mutu. C'est le domaine d'influence de l'homme. Eze sika mutu esengeli a konsa. C'est le domaine du règne de l'homme. Esengeli mutu a konsa na mabele. L'homme est dans sa plénitude. Eze sika mutu azala kola nzambe. Dieu est dans sa plénitude au ciel. Nzambe azala bon nzambe ne nyoso kuna na likolo. Jésus a appris aux disciples priant ceci. Yango Yesu ayekolisaki bayekoli. Notre Père qui est na kosambela boeta tana biso ya likolo. Que ton nom soit sanctifié. Kombo na yo ekumisama. Mais que ton règne vienne. Kasi bokonzi na yo eya. À travers qui? Na nzela nani? Afin que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Pomo kano na yo esalema na se lokola wapi? Il est Dieu dans sa plénitude au ciel. Azanzambe bipa nyoso kuna pe na lola. Sa volonté que si Dieu règne au ciel sur la terre l'homme aussi doit régner. Soki nzamba zo konza na likolo yopi fo konza wana se. Si Dieu est dans sa plénitude au ciel. Soki nzamba za na bonzambe ne nyoso na sa plénitude sur terre. Mutu pe fo azala na bokonzi ne nyoso awa na mabili. Comme même mort. Attaque à Kokoufa. Tu seras en train de vivre. Okozala na bomoi. C'est comme ça que vous comprenez des hommes comme des Élie ont été enlevés. Yango moni mutu lokola Élie a memama. Les hommes comme Élisée, les cadavres ressuscités au contact. Mutu lokola Élisée a sa kufi. Moïse ne pouvait même pas être enterré. Mikou ane tuti ba kufi ba tu bazo. Il a été enterré par Dieu. Mutu lokola Moïse moye ba twa mokili ba kunde zate. Nzambe nda kunda ye. J'ai une question. Basi ba wele bemelo na ba demo. Mais vous regardez un homme comme Moïse. Qui est entré dans la plénitude de cette révélation. La Bible dit dans le livre de Jude. Satan s'est disputé avec un ange au sujet du corps de Moïse. Satan soigne un ange et l'homme au propre. Quand on a dit un zoto ya Moïse. Zoto ya Moïse. Osa n'importe qui. C'est un homme qui est entré dans la plénitude de ce qu'il devait être. Alléluia. Amen. La terre a été donnée aux hommes. Ma belle et pesamina. La cause des guerres et des conflits dans le monde, c'est la terre. C'est la conquête des terres. Ah, ezako wele la ma belle. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi veut avoir aussi des terres. Pour mon goût, n'ayez pas l'ingi azana ma belle. Les hommes veulent avoir des terres. Batupe balingi bazana ma belle. Alléluia. Amen. Mais la terre a été donnée aux hommes. Mais tika na ebiso ma belle et pe sa melande biso. Est-ce que je peux avancer pour terminer? Amen. Après qu'on ait na suki ça. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te donner 3-4 raisons. Pourquoi le Seigneur a donné à l'homme la terre? Premièrement, je suis l'image de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a voulu me donner la terre. Parce que je suis son représentant légal. Je suis l'image. Dieu veut être au ciel et sur la terre. Et sur la terre, c'est par toi et moi. Mais est-ce que tu comprends ça? Amen. Laisse-moi te dire, si tu comprends cette vérité, ce que ce soli, bo solo yo, tu comprendras que quand le diable a été jeté sur la terre, en fait, le combat du diable n'est plus au niveau de Dieu. Tala, kobunda Satan eza esusu na niveau nzambe te.
Quand vous vous battez avec des gens qui sont poilus. Ceux qui osent bunda na bateau basa ma casimir. Est-ce que poil plus ma beau côte à la championnat poilu? Eh, oh y a zangi poil quoi au côte ici. La championnat ma poilu na lola ba longi. Kuna na lola ba longa kiye kuna. Est-ce que bah et puis moi na championnat lola moi au côte à l'issue subit tous mes actes. On l'a vaincu dans les cieux. La fédération ana osaire. On a dit là-bas tu es rayé. La seule fédération qui te reste c'est sur la. Et si kaga mon quoi te tigale li okuna na nasé. Dis à ton voisin. Le diable n'est pas au niveau de Dieu. Voilà. Satan a tant à cheviter. A tant à l'inzakate. C'est le sort de l'ennemi. C'est à mon niveau. C'est à mon niveau. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. C'est pourquoi Jésus a pris le corps humain. Yango, et ce soit qu'il comment l'homme peut vaincre Satan sur terre. A la qui s'indigne ni moutakoki kolonga Satan ana. C'est à l'hôpital ana pisi binonguya. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais à l'obi l'issou soit l'obi, si on l'a chassé au ciel. Ce qui va bengana yé na likolo. Sur la terre aussi. Ah ouais, je vous donne le pouvoir de le chasser. Si ben le même sort au ciel. Ndenge ka kuna basala yé. C'est le même sort. Ah ouais, bo sale bongo. Maintenant, le sort sur terre. Si go, ah ouais, na se. Désolé, ça ne dépend pas de Dieu. Tala, mawa. Ezan kamonza bete. Le jour où toi tu t'élèves. Ezan kolonga. Yonanga to telemi. Tu lui dis en face. Olobe liye. Garçon. Tala, mon ambalio. C'est pas chez toi. Moni, ah ouais, ça n'est pas na yo pété. Lima. Tant que tu n'as pas pris conscience de cette position. Tant yo so soli no li kambo yote. Le diable peut entrer dans ta maison, saccager tout comme il veut. Satan akokota na ndaku na banjo panzanyo so lingi lo lenga lingi. Si tu rencontres quelqu'un qui lui dit "Eh, stop, stop." So ka kuta na mutebi se, keba. Voleur, stop. Eh moibi. Je ne peux même pas t'entendre. Parce qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. L'autorisation. La puissance. Là. Le mandat. Yako sale de la guya nangai. Sur la terre. Yako bengane awanase. Loko la na likolo. Dieu a donné à l'homme la terre pour avoir un espace. Nzamba pesi moto mabele po zanesika. Dieu a donné à l'homme la terre pour cultiver et transformer la terre. Nzamba pesi moto mabele po sala musala lona pe abuka. Tant qu'il y a la forêt, lokola bazamba ezali, il n'y aura pas de maison. Banda ko kozala kaka te. Dès que l'homme arrive quelque part. Mais tant moto komi esika songolo, l'environnement est transformé. Yé a changé que sika ya fanzi. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de maison. Et dès qu'il y a des hommes, il y a une vie qui commence. Tu as reçu le mandat de transformer l'environnement où tu es. Yangona ne te gêne pas. Tu arrives quelque part. Quelque chose ne parce se passe pas. Toi, tu veux créé commencer. Pour transformer la terre. Ne te gêne pas. C'est que tu ne trouves pas. Tu peux commencer avec. Comment? Je t'encourage à commencer. Ils ne font pas des murs, toi fais-le. Ici on ne met pas la peinture, mets la peinture. C'est l'homme qui transforme son environnement. Il y a quelqu'un qui va changer la peinture de sa maison. Aujourd'hui tu reçois la grâce de transformer ton lieu. Quatrièmement, Dieu a donné la terre à l'homme pour créer son royaume. Mutu nzambe apesi mutu mabele po ye moko asala. Un espace où tu vas régner. Asala esika na ye akokonza. Alléluia. Amen. Et je vais terminer par le quatrième point. Genèse 1, 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Quelle est la relation entre l'homme, la famille et la terre? Boyo kanini neza na mutu mabele pe libona. Dieu les bénit et leur dit. Nzamba pamboli bango pe ebisi bango. Soyez féconds. Bino bobotaka. Multipliez. Bo fulukisa. Remplissez la terre. Botondisa. Et l'assujettissez. Pe bokonza yango. J'aime la version Shuraki qui dit ceci. Na lingi version Shuraki. Fructifiez. Bino bobimisa mbuma. Multipliez. Bino bokomisa ngwe bele. Remplissez la terre. Bino botondisa ngo. Conquérez-la. Bino bokonza yango. Il faut conquérir ma bele. Tala ba konza kama bele na yo. La version parole de vie dit. Version parole de vie. Remplissez la terre. Tondisa ma bele. Et dominez. Alléluia. Dieu a créé la terre pour donner à l'homme l'espace où il doit influencer. L'homme est appelé à influencer la terre. C'est comme ça qu'à cause de toi, la terre peut être bénie. À cause de toi, la terre peut être transformée. À cause de toi, les choses peuvent changer. Alléluia. Amen. Pendant qu'on m'amène les trois verres d'eau, de l'eau froide et de l'eau chaude, je vais t'expliquer quelque chose rapidement.
Il a dit sur la terre comme au ciel. L'homme est appelé à influencer sur la terre. Genèse 1:14 dit ceci. Il a créé des astres dans les cieux. D'autres pour présider. Éclairer le jour. Éclairer la nuit. Alléluia. Amen. La Bible utilise des termes très appropriés. Biblia etalisi penza makambo ko kezo le benako. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Alobi ezala penza makambo ko talisa. Les jours et les années. Ketangu yango yope bangonga yango yotope ba bula yango yo. Il a créé ces astres pour éclairer la terre. Asali minzoto wana po yango etia mwinda na mabele. Pour présider le bas diriger. Po elakisa, elakisa. Lorsque tu regardes le ciel la nuit, il y a des étoiles, oui ou non? Quand on tala kalikolo na buto, mona kanini? Est-ce qu'une étoile éclaire ou une éclaire? Omona kaminzoto, minzoto ngenga katote. Il y a des petites et des grandes étoiles, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Minzoto mikena mine. Les étoiles sont là. Minzoto ezali. Même quand il fait noir. Ata molini ya makasi. Même quand il fait jour. Ata na kati ya moyi. Jamais tu entendras que le soleil est devenu noir. Okoyoka te ke sanze komi molili. Jamais tu entendras que les étoiles ont assombri. Okoyoka pete ke minzoto komi molili. Lorsque Jésus est né. Tangu Yesu abotami. Qui a reconnu Jésus dans le ciel? Nani amona ki Yesu deja ko uta na minzoto likolo. Ils ont reconnu Jésus comme quel astre? Ba mona ki Yesu lokola eloko nini oyekelami. OK, allons-y. Ils ont reconnu Jésus comme une étoile qui était où? Bah moi na qui est sur le col à Monzoto et Zalaki. Sur la terre il était comment? Mais un assi à Zalaki n'engeni. Mais un bébé qui était adoré par qui? Bébé moko agumba melama qui est pas banani. Bah roi. On lui a offert quoi? Bah konzi bah pesieni. Quand on amène l'or et des gens sont à genoux autour de quelqu'un, cette personne est de quel niveau? Tala tango azo me melamu tu moko bah wolo aza bébé mutuana il a qui c'est Zalani. Donc aza quoi encore? Divinité. Aza. C'est quelqu'un d'honorable qui a de la valeur, n'est-ce pas? Amen. Ok. La Bible nous dit que nous sommes des étoiles. Bible le dit aux amis. Nous avons été créés pour marquer les temps et les époques. Donc là, ma pote Tali Sabangonga Peba Tango. L'étoile brillante du matin. Yesu Azape Munzoto Zongé na Tango. A marqué les époques. Yepe Atali Sapenza Batango na Ye. Deuxième siècle avant Jésus-Christ. Yango balobaka nyonso kaka yambo Yesu. Après Jésus-Christ. Tope ba yambo ebele na sima Yesu. De la même manière que l'étoile brille dans le ciel. Le lenge moko minzoto ngenga kana likolo. Et la ki sakabatango. Awa na se. L'étoile de ta famille. Yo posa la kamonzoto libota na yo. Posa la kamonzoto. Na libota na yo ya eklesia na yo. Wo esengelo tali sangonga. À partir de toi on dira avant. Na ngonga na onde bakoloba tango nini. On dira après. Baoloba liboso na Abraham est l'étoile de sa génération. Abraham aza a monzoto ya génération na ye. Le nom de son père Terah veut dire retard. Kombo tata na Terah la kisi retard. Ils allaient vers Canaan. Babando kene na Canaan. Ils se sont arrêtés. Batelemi. Pendant des années. Bambule bele. Jusqu'à atteindre 75 ans. Si ya koma na 75 ans. Continue à retard, le kola retard ya tata ne poko mo tata na en retard. Il est entré en retard dans sa destinée à cause Mais du nom de son père qui signifie retard. Kasina nzela Abraham. Dieu a fait de lui une étoile. Samba saleli ye monzoto. Marquer le temps avant Abraham. Oh, elle a qui ça? Et marquer l'étoile après qu'il soit devenu Abrahamaye topé na simanaye. On parle d'Abraham comme si Israël a commencé que par Abraham, n'est-ce pas? Quand on le met là qu'Abraham ni solo ni André bandane na Abraham. C'est parce qu'Abraham étant une étoile, il a marqué une étoile. Toi aussi, tu es une étoile. Ma prière est que lorsque tu prends cette révélation, que tu refuses la contradiction. Entre ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre. Je refuse d'être une étoile qui brille dans le ciel et non sur la terre. Ton étoile brille dans le ciel. On voit que le roi est né. C'est un captif qui grandit. C'est un malheureux qui grandit. C'est quelqu'un qui a signé le pacte de célibat qui grandit. Non, 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 non. J'aimerais que tu dises à ton voisin. Pas de contradiction. Le bas n'a pas de contradiction. Entre ce qui est au ciel. Na oyeza na et ce qui est sur la terre. Oyeza wana se. Si au ciel je suis un grand. Ce qui n'a l'eau, la nazam ou kadikolo. La mounene, ah, à peine assez. Le Seigneur l'inaz à la mounene. Je refuse la contradiction. Na boyi contradiction. Je refuse la contradiction. Na boyi contradiction. Je refuse la contradiction. Na boyi zala le contraire. J'aimerais quelqu'un de volontaire, rapidement, qui va m'aider pour l'exemple. Merci. Amen. Amen. Où est de l'eau chaude? Amenez-moi de l'eau chaude. Maya Moto. De l'eau chaude. C'est ça? Ok.
Tu es prêt? Vous êtes prêt? Si. Ce que j'aime avec les exemples. On a l'ingagananda qui ça? Il faut faire très attention parce que quand on amène quelqu'un faire des exemples comme ça, le surnaturel qui est activé. Quand tout ça, la cabane qui ça m'a campé, béni, à Molim, ça les manque. La soeur qui était passée aujourd'hui, elle est où, maman Judith? Elle était passée pour un exemple. Elle est là. Elle est là. Un exemple. La soirée, elle a un exemple. Quand tu vois des choses comme ça, sois prudent. Ouais. Ça peut arriver pour toi. Amen. Alors sois prudent. Alléluia. Amen. Lorsque tu tiens ce verre. Prends-moi Simbi, verre. D'abord, amenez-moi un verre vide. Un verre vide, rapidement. Un verre vide. Je vais te montrer trois verres différents. Dans la kisa, yo, verre, mais ça, tu es cocanité. Et après, on va prier. Pète au samé. Alléluia. Amen. Oh, la bouche, ta cara. Ok, on va évoluer avec ça. Amen. Amen. Ah, voilà, merci. Quand je prends ce verre, il est rempli ou il est vide? Quand tu le touches, il est à quelle température? Parce qu'il n'y a rien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Pourquoi? Il n'est pas chaud, il n'est pas froid. Ok. Maintenant, ce verre que tu tiens, quelle est la différence? Différence dans les années. Mais est-ce que le verre peut être froid de lui-même? Est-ce que le verre est cause à malili? Pourquoi il est devenu froid? Pourquoi il est devenu froid? Parce qu'il y a? Vous êtes sûr? C'est pas le verre qui est froid et l'eau est devenue froide. Exactement. Le verre est comme ici, il est malili. Je me trompe, c'est le verre qui est froid. Papa Jacques, le verre est comme ici, il est malili. L'eau est froide. Mais il est malili. Mais le verre est devenu froid. Le verre est commis. Ok. Regardez cette expérience. Le verre est ordinaire. Verre à Zaka Lolenge na yaza. Je mets de l'eau chaude. Qu'est-ce que tu ressens? Tu sens la chaleur. Tu peux résister pendant combien de temps? Pendant combien? Qui peut l'aider? Qui peut l'aider? Alléluia. Serre fort. Serre très fort. Serre très fort. Tu peux résister encore? Ainsi parle l'Éternel. Psaume 104, verset 4. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. La Bible déclare. Biblie et lobby. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Mais à la camolimo. Tant que le verre n'avait pas de l'eau froide, tant que le verre est là qui n'a pas le verre avait la même température. Verre est là qui calo lenge na yango kaka. Ton influence sur la terre. Influence na yo ona se. Ne dépend pas de ce que tu portes. Exactement les lambeaux ont la. Dépend de ce qu'il y a dedans. Mais ça n'est l'eau qui s'en a cassé. La bonne des eaux influencé ma belle. Il fait de ses serviteurs. A comme il s'en a cassé l'inaïe. Bandia moto. Libota. Moutou moko. Une femme. Moi si moko. Influencera la terre. A kokonza ma belle. La maison où il habite. Ndakouya fanzi. En fonction de ce qu'il y a dedans. Nantele. En fonction de ce qu'il y a dehors. Na zosa kolana parce que tu es appelé à régner sur la terre. Po tu as besoin de la chose. Ozana bosenga eloko. Qui va contaminer ton corps. Eloko eko swa nzoto mabimba. Ton corps est contaminé. Peta nzoto neza contaminé. Où foulera la plante de tes pieds. Yo kotambola. Influence. Oko soboko oko sala bokontina yo epanango. Oko konzango. Était froid. C'est à cause de l'eau qui est froide. Et ça n'est pas une des qui malili. Pas ta terre. T'as la osoie influencée ma belle note. Pour ça qui m'a mal. Tiens des mains. Si quelqu'un me comprend. Le lien entre l'homme et la terre. Ah oui, ils ont. Si la terre. Qui constitue ton enveloppe. Bosangani oya mutu na mabele. Ezaki ya mabele. En fait de la même matière que mabele ton corps. Mabele za eloko esali ke yoza nango. Le col enveloppe. Contamine ton esprit, ton corps. Maya moto za lokola molimo oyeza na kati ya nzoto na yo.
J'interprète Josué 1, verset 3 à 5 à ma manière. Dans mon entendement spirituel à moi, tous les hauts fleuront la plante de vos pieds. La Bible dit que je vous le donne en possession. C'est ma interprétation. Tous les hauts fleuront la plante de tes pieds. Alléluia. Amen. Si c'est chaud. Vous savez sa différence. Qu'est-ce que tu sais? Je prie ce soir. Pour l'atmosphère de ces deux jours. Sur la terre comme au ciel. Si au ciel tout est chaud. Si au ciel c'est la joie. Si au ciel c'est la gloire. La même gloire viendra dans ce vin. C'est vrai ce que tu es. Et va contaminer tout autour de toi. C'est comme ça que à cause de toi. La terre où tu es, ma belle na yo, sera bénie. Tu seras sur le même sol. Mais j'ai compris que c'est moi qui dois dominer. J'ai compris que...